Le parc du château, c'est un ensemble de trois types de jardins, un grand parc à l'anglaise, héritage du 19e siècle, des espaces naturels, un verger, un petit bois, une prairie, et toute une série de petits jardins en chambre, plus réguliers, plus à la française. Le jardin en lui-même, il est très ancien, puisque le château date de 1706, enfin il a été construit en 1706, donc il y avait vraisemblablement un jardin, mais dont il n'y a plus de traces. Un parc à l'anglaise, oui, mais qui lui est du 19e siècle. Par contre, toute cette série de petits jardins à la française, c'est nous qui les avons créés pour trancher avec le 19e, voilà, qui fasse quelque chose de plus 18e siècle. C'était ne pas fatiguer par des jardins qui soient toujours les mêmes. Donc, avoir des ambiances très différentes, sauvages, ou alors très, très peignées, très, très soignées. On a essayé de surprendre toujours, de ne pas être toujours dans la même tonalité. Et puis bon, le jardin aussi, ça a été un écrin pour la maison, quoi, parce que avec mon mari, on s'est dit, c'est bien, on restaure la maison, mais autour, si c'est une jungle, c'est pas très intéressant, quoi. Il faut tout de suite planter, tout de suite faire quelque chose pour mettre en valeur aussi la maison. Il faut d'abord qu'il y ait une structure. Faut qu'il y ait une structure, faut qu'on s'y retrouve. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup les jardins formels. J'aime beaucoup les jardins formels, et même dans les jardins qui sont plus informels, qui sont comme les jardins anglais, bon, il faut quand même une structure. Il faut que ce soit beau de tous les points de vue. Et ça, c'est un petit peu difficile. L'exercice le plus difficile, je trouve que c'est le jardin asiatique, justement, le jardin zen. Comme on tourne autour, il faut qu'il soit beau de tous les points de vue. Donc, il faut qu'il y ait une forme, une dimension, qui soit belle partout. Moi, j'étais prof de philo, j'étais pas spécialement destinée à être jardinière, si je puis dire. Bon, mais peut-être que ça m'a aidée aussi d'être prof de philo, parce que je pense que ça m'a conduit à faire un jardin avec une certaine sérénité, je dirais. Bon, le premier jardin avec le bassin, je me suis inspirée d'un petit jardin Médicis que j'avais vu en photographie. Autrement, bon, c'est un peu des idées comme ça qui me sont venues, ou le jardinier qui a dit, tiens, on devrait faire un rond. Enfin, tout le monde y a un peu mis du sien. Mon mari aussi, parce qu'il aime beaucoup les arbres. Et ensemble, c'est nous qui avons dessiné le jardin, bon, en essayant de le faire carré, en essayant d'appliquer le théorème de Pythagore pour que ce soit bien carré, enfin, avec notre décamètre, on essayait de faire quelque chose de bien, bien structuré. Voilà. La première chose que je veux, c'est l'harmonie. L'harmonie, voilà. C'est-à-dire une plante, elle doit être placée pour être en harmonie avec les autres. Donc c'est ça. C'est ça la première chose. Et puis ensuite, il peut y avoir des variétés nouvelles. Ça, c'est intéressant. On ne peut pas ne mettre que les plantes qu'on trouve partout. Et souvent, il y a des plantes qu'on ignore et qui sont très intéressantes. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans des pépinières, de rencontrer des botanistes chevronnés, parce qu'ils nous apprennent des choses sur les plantes qu'on ignore. Il faut la patience pour être jardinier, sûr. Ça, mais c'est une patience récompensée, c'est ça qui est formidable. Et c'est ça, je trouve, qui dans le jardinage est très, très éducatif. C'est-à-dire qu'on plante quelque chose, on le soigne, et avec un peu de temps, tout à coup, on voit le résultat de son travail. On ne voit pas toujours le résultat de ce qu'on fait, tandis que là, dans le jardin, ben, on sème et puis voilà, il y a quelque chose qui pousse. C'est formidable.